fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse, de décrire les sentiments des personnages. Arthur regarde son récipient, mais il pense à la boue d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons remarquaient cette son, qui remue à chaque passant son chandail. France pense à tout et à rien. Il ne sait pas si le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve-monde.